Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur la suite de Ratchet & Clank 2. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré cette déchetterie. Et dans cet épisode, on va peut-être aller sauver notre waifu ou aller sauver une planète. Que fait-on? Que ferait un vrai héros? Il irait sauver la planète. Allez, en avant. Priorité aux innocents. Aux innocents robots. Parce que sur le film qu'on avait vu, c'était que des robots. Hein. Il n'y avait pas de... d'humanoïdes. Mais bon, on va sauver cette planète de ses morts. Et ensuite, on ira sauver la waifu. Petit poteau, hein. Combien il donne les poteaux, j'ai pas vu. Ah non, j'ai cru qu'il donnait 700, mais non. C'était le truc que j'ai cassé avant, quoi. Je me suis dit, ah, je vais être riche. Et en fait, non. Par contre, les petites caisses, là... Tu veux voir un peu comment elle est? Ah, c'était plus grand dans ma tête. Dans ma tête, c'était très grand ici, et c'était... C'est une planète assez fun, de mémoire. Moi, j'ai énormément aimé cette... Enfin, j'ai des souvenirs de cette planète. Et de mémoire, c'est très bien. Activé. Ah ça je m'en souvenais pas. Mais alors pas du tout. Ah ça va être un enfer encore. La première fois c'était déjà un enfer. Ah non. Le robot c'est mort quoi. Détruire le vaisseau mère. Santé récupérée. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà. On perd tellement de PV quoi. Ah, il a perdu beaucoup de PV aussi le vaisseau hein, sur la droite qu'on lui a mis là. Voilà, ah ouais, ça lui fait perdre masse PV les droites. On va peut-être tuer les mecs qu'il y a derrière nous là. Ils sont où? Ils sont derrière nous perpétuellement quoi. Allez, cassez-vous. Oh, moi j'aime pas ça, cette phase là j'aime pas. Après, faut dire qu'il n'y a pas grand chose que j'aime quoi. Cet homme est difficile. Cet homme se plaint tout le temps. C'est vrai. Vous avez raison. Je peux pas vous contredire. Tiens. Ça l'a pas tué. Tiens. Tire au pif, hein, bien sûr. Des petits tirs au pif. Et après, on se plaint parce qu'on touche pas. Quoi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici sur cette planète. Rentrez chez vous. Ça a l'air moins compliqué que la dernière fois. Hein. De toute évidence. La dernière fois c'était bien plus chiant. Après c'était un boss. Bah là aussi c'est un boss en vrai. C'est le vaisseau mère. Un vaisseau mère quand même. Allez vite le vaisseau mère. Aïe aïe, j'aurais pas dû m'arrêter quoi. On lui met des tartines. Allez les tartines. Ah il a pas pris beaucoup de dégâts là. J'ai même l'impression qu'il n'en a pris aucun. Ah, je pensais qu'on pouvait le casser, dommage.
là mes PV? Oula, j'ai eu un peu peur, j'avoue. J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Tiens. Je sais pas si ça lui fait des dégâts, j'ai pas l'impression. On récupère de la santé en attendant. En attendant qu'il fait ses carabistouilles là. Admettons que je lui saute dessus. Oh my wamo. Shindelu. Non, ça le touche pas. Hein. Oula, la panique d'un homme. On va y arriver, vous inquiétez pas. Cassez-vous, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Rentrez dans votre pays d'origine. Ah. Clank. Clank, détends-toi. Clank, c'est un peu trop bien intégré à la France, quoi. Ah. Compris, en gros c'est, il invoque des mobs, il faut tuer les mobs et après quand il réinvoque, c'est à ce moment là qu'il faut l'attaquer. Ah, c'est emmerdant, c'est emmerdant. Putain, les dégâts que je prends quoi. Et je vais perdre, aïe aïe aïe. Non mais c'est bon, je connais les touches, c'est juste que le jeu est chiant quoi. Le jeu est chiant quand il décide de t'emmerder. Hein. Mais juste, je les ai vraiment pas vus la première fois. Enfin, j'ai cherché longtemps après les mobs. Viens ici. C'est parti où là? Viens ici. Je peux pas te cacher. Putain, regardez le nombre qu'il a invoqué déjà. Ah, c'est marrant, j'avais même pas remarqué qu'il y avait des aliens dedans. Logique quelque part, mais il y a forcément quelqu'un qui pilote. Mais c'est amusant que ce soit des aliens verts, quoi. En fait, ça m'agace qu'il y ait quelque chose derrière moi alors que je l'ai pas vu invoquer. Ouais, comme lui, là, je sais pas d'où il sort. Hein. Tu vas manger tarif. Salade tomate oignon comme on dit en France. Et... Coucou. Ok, il les a invoqués de loin. Un peu trop tard, dommage. Ah, dommage, il était en train d'invoquer juste là. J'ai pas fait attention qu'il était en train d'invoquer. Ah, je pense qu'il allait invoquer. Là, je m'en doutais un peu. Hein. Laissez-moi en paix, voyons. Viens en paix.
Je viens détruire votre planète en paix. Je viens vous éliminer en paix. Oula, oula, il va prendre cher. J'étais sûr qu'il y aurait quelque chose derrière moi, mais en fait non. Ah dommage, dommage, dommage encore. Il y a plein de choses qui sont dommages en ce moment. Allez, allez. On bourre, on bourre, on bourre, on bourre. On bourre, on bourre. On est bourré en bourre, j'ai envie de dire. C'est cohérent. Allez, vite. Il est en train d'invoquer. Il les a invoqués où là? Ouais, ils m'ont éjecté quoi. Là, il est en train d'en invoquer combien hein? Il invoque une armée. Après, il a pas tort. Hein. Quitte à en invoquer, autant invoquer une belle armée. Et voilà, maintenant faut attendre qu'il en invoque. Ouais, ça sert à rien. Ah, il en invoque pas là? J'étais sûr qu'il allait en invoquer quoi. Il devrait pas tarder à en invoquer là. Pour ça je m'éloigne pas trop. Je reste à une distance plus ou moins proche. Allez vite invoque. Il va jamais en invoquer quoi. J'ai l'impression qu'il attend que je m'éloigne. Il invoque toujours pas. Je sais pas ce qu'il attend là. Il en a peut-être déjà invoqué en vrai. C'est juste que je les ai pas vus. Mais ça a pas l'air. Hein. J'en vois pas moi. C'est cancer. Hein. Cette mécanique est cancer. On va se balader en ville, voir ce qu'il y en a, hein, du coup. Non, il attendait que je m'éloigne. Là, il en a invoqué, putain. On va s'éloigner. Oh là là, il en invoque. Allez, allez. Enfin, il m'a éjecté. S'éloigne. Prend des dégâts, il prend des dégâts. Prend plus de dégâts. Bon, on s'éloigne. Voilà, il en invoque. Vraiment une mécanique très fun. Hein. C'est
très le fun. Pas grave, il prend des dégâts. Bon, moi aussi, mais c'est pas grave. Bon, on va se soigner maintenant. Aïe aïe aïe, je déteste ce moment. Bien sûr, maintenant. Putain, mais comment vous êtes arrivé aussi vite là, hein? Putain, il me. Il m'éjecte. Il réinvoque. Je me souvenais pas que c'était aussi chiant, hein, j'avoue. D'accord. Eh ben. On s'éloigne pas de trop. Là on peut y aller. On va y arriver, hein. Waouh. Prends des dégâts là. Je vois pas sa vie diminuer, hein. Du coup il en prend pas. C'est long. C'est long et chiant. En vrai, on va aller assez loin. Voilà, il invoque. Je sais pas si ça touche. Non, ça touche pas. Hein. Derrière moi, je sais pas comment il a fait pour passer derrière moi. La rage, c'est la vidéo de la rage. Putain, il a réussi à me cuquer. C'est long, hein. C'est long et faut être motivé, hein. Honnêtement, ce boss, je me souvenais pas qu'il était aussi chiant. Mais surtout, je m'en souvenais pas du tout. Aïe aïe. Ah, il m'a touché en l'air, quoi. Me retouche en l'air. Bah ouais, mais il n'y a plus rien sur la planète maintenant. Sur la planète, hein. Ouais. En fait, je peux plus rager, hein. Les dégâts qui me mettent. Et on s'éloigne. On s'éloigne. On se rééloigne parce qu'on a besoin de santé et on peut pas se permettre de prendre des coups. Voilà, on va le laisser invoquer moult. Moult ennemis.
Invoque bien, de toute façon on va se soigner sur, sur les ennemis. Hein. Faut juste pas se laisser toucher par ceux électriques. Hein. Si on se laisse pas toucher par les électriques, on récupère de la santé. Hein. Par contre les électriques peuvent quasiment me tuer à eux tout seuls. Voilà, il m'a touché. Bon, petite ellipse, hein, je vais aller voir sur internet comment on fait. Je crois que j'ai trouvé la solution et elle est tout con. Faut juste sauter dessus, quoi. En fait, ouais, faut sauter dessus, bref. Bon, re-ellipse jusqu'à ce que je retrouve ce moment. Heureux, enfin! Regardez, c'est simple. C'est simple comme bonjour, quoi. C'est juste que j'étais trop débile. Oh débile. Ah, il m'a dit dégage. Il m'a dit dégage, mais je suis pas d'accord avec ça. Meurs, chien. Je dis meurs. T'as pas le droit. C'est pas bien. Bah il est l'heure de mourir là. Voilà quand même. Eh ben. Tatin. Ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert seulement à quelque chose? Ben voilà, c'était censé être facile. Le cartographeur te révèle des zones secrètes. Elles sont indiquées en vert sur ta carte du monde. Tout ça pour ça. Hein. Tout ça pour ça, j'avoue, c'est désagréable. Hein. C'est désagréable. Hein. Voilà, les cartes, les points verts. Hein. Les points verts sont secrets, mais bon, on s'en fout. Hein. Vu que j'ai pas l'intention de faire le 100%, on s'en fout totalement. Ah, ça fait mal au cœur. Hein. Le joueur français est dégoûté d'avoir galéré autant pour si peu. Oula. Oula. Bon, salut Astérion, bien sûr. Hein. J'ai pensé à lui quand j'ai fait le oula. Liège. Ouh, ça picote. J'ai beau être matinal. J'ai mal. Putain, y en a 3 millions de ces machins. De spécimens. On en avait besoin et en fait, y en a des millions. Des millions de milliards. Un billard ? Ah, c'est bon. La blague, hein. La blague est trop vieille, quoi. Bon, ça devrait aller. Sauf si on est naze. Mais normalement ça va, on n'est pas trop naze. On est naze mais pas trop. Pas de trop. Là on peut spam de fou hein, en vrai. Il y avait même pas besoin de timing, hein. Il faut juste faire carré, carré, carré. Zéro timing. Juste du spam. Ok, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, lol. Checkpoint. Dommage sur la fin, du coup. T'as deux fois que ça me le fait, ça. C'est vraiment désagréable, cette sensation.
Ah, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, c'est désagréable. En fait, je lag trop. Comme là, je penche, mais il penche pas, tu vois. Ouais, je penche, mais il penche pas. Combien de pourcentage On va regarder après le pourcentage pour se plaindre. Le PC à genoux, quoi. Déjà que de base, ce genre de truc, je suis naze. Mais si en plus c'est full buggé, ça va être très chiant. Allez. On va y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Mais ça, ça va vous choquer hein, quand je pourrais filmer ma PS3 et que je serai un peu plus fluide que ça. Et qu'on va refaire Ratchet & Clank, vous ferez un avant-après, il sera violent. Je serai 100 fois meilleur. Hein. Que pour rappel, le jeu, je l'ai fini une dizaine de fois. Hein. Autant vous dire que normalement, je lui roule dessus le jeu. Et en plus, il est pas dur. C'est pas un jeu dur, Ratchet & Clank. Oula. Bon, par contre, ça, j'avoue, les rails là, c'est vraiment un truc où je suis naze de base. C'est vraiment mon point faible. À un moment, faut être honnête. Si j'ai un point faible, c'est ça. Allez, on va y arriver. Faut juste sauter, hein. Voilà. C'est quoi? Ouf! Oh, Clank! Beau gosse. Tu as un peu enflammé. Tu as besoin de toutes les pièces pour pouvoir monter ce gadget. D'accord. Bah allez, let's go, à la suite. On explore cette planète de ses morts. Et on va lui rouler dessus avec quelle arme? Avec celle-là. Alors de mémoire, là, il y a une grosse baston. Non, pas tant que ça, en vrai. Ma mémoire m'a joué des tours. Ah non, peut-être pas. Bon, non, c'est deux robots, quoi. Non, en vrai, c'est pas une grosse baston. Voilà. Écartez-vous, minable. C'est vrai qu'il se multiplie en fait. Ah. En plus, il y a un distributeur là-bas. On va tirer une balle en arrière. Comme ça, ça va faire des kills. Non mais non, mais ne me fous pas un coup de pied alors qu'il est en l'air. Voilà. Calmez-vous. Vous n'êtes rien d'autre que des cloportes. Pourquoi pas. Tu level up, hein. Tu level up au meilleur moment, bien sûr. Ça va, on gagne vite des boulons. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir ce genre de choses. Et voilà le level up. Peut-être tester une petite balle quand même. Font plus gros, font plus de dégâts, ok, on voit. On voit rapidement l'effet, quoi. Enfin, on comprend vite. C'est plus gros. Je vais y arriver à avoir le mouton. Allez, le mouton. C'est dur, hein.
utiliser le mouton maintenant. Par contre, le mouton, de mémoire, c'est une arme vraiment merdique. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment justifié pour eux. Et elle s'améliore pas des masses. Elle a déjà plus de balles. Ça va vite. Hein. On est arrivé où là? Oh, Jolo, wow, ça va vite. Hein. Heureusement que tout va vite hein, dans ce jeu vidéo. Alors comment on va par là? Voilà, cassez-vous. Là j'ai perdu moult PV hein. Ah bah voilà, la porte est ouverte. Dommage, dommage. Ah, je suis mort. C'est la vie que j'ai choisi. Alors, on est où? Ah, on reprend là, ok. En avant, petit épée. On reprend au début, mais c'est pas grave. On est motivé. On aurait dû jouer mieux, globalement. C'est le résumé du let's play, on aurait pu jouer mieux. Malheureusement, c'est pas le cas. On prend beaucoup de dégâts sans aucune raison, ouais. Enfin, sans trop de raison. Ils sont beaucoup autour de moi là quand même. Je rêve d'une banque. Comme dirait un grand homme, on va dire. Un grand copiste. LOL. Bon, j'ai eu un peu peur. Un peu seulement, ça va. Bon, bah, même pas besoin de changer de balles. Bon, ça va, on est arrivé, on est arrivé, on est arrivé. On va peut-être level up, hein. Possibilité de level up ou pas? Quand même, il reste pas grand chose, hein. On est pas des bêtes. Tuez-les tous. Voilà, level up. Easy peasy. Tout s'est passé sans accro. Et en plus, j'ai pas perdu de point de vie. Trop fort. Défaut trop fort. Direction la banque. C'est pas fini du coup. On va peut-être perdre un peu de point de vie. Hein. Alors attends. Bon, ça va, il reste pas beaucoup de chemin à faire. Hein. On va quand même payer, enfin acheter des balles. J'ai tout de suite su que c'était ça qu'il fallait faire. Je joue aux jeux vidéo depuis longtemps.
On commence à avoir une certaine expérience, quoi. Ah, petit vaisseau. Petit vaisseau qui vient nous emmerder, quoi. On voit pas que t'es dans le cadre. Oui, bien que vous êtes dans le cadre, monsieur. Ah, ça, c'est le rush, hein. Là, le rush d'un homme. Ah, là, là, grosse bagarre, du coup. Ouais, grosse bagarre. Ah, ils descendent pas de là? Ah, ça va être chiant, ça. On sait déjà que ça va être chiant. Voilà, la barre d'XP, comment elle augmente vite, hein. Ça fait plaisir de voir ça. Et voilà, le ménage, mon gars. Y'a plus rien, là. C'est bon. Ah, ça repop à une vitesse, mon gars. Ah, je peux charger. Par contre, toi, tu m'as beaucoup trop touché à mon goût. Hein. Ah, il y en a dans les boîtes de céréales, c'est ça? Bon, par contre, faut pas que le niveau s'éternise, hein, sinon on va mourir. Alors, attends, on en est où? Oh, on est bientôt fini. Des explosions de partout, on comprend rien. On comprend rien à ce qui se passe, mais ça se passe. Hein. Ça se passe en direct. Hein. Les aléas du direct. Peut-être ça. Ah, tu veux pas le viser là? Bon bah du coup on va changer d'arme hein, vu qu'il veut pas le viser avec celle-là. Bah voilà, je suis mort. Ah, quel plaisir. Super naqué encore une fois. Toute évidence. De toute évidence, on s'est fait arnaquer. C'est reparti pour un tour. Allez, allez. Oula. Ça là-bas, c'est ça là-bas qui fout la merde. Arrête de cracher tes amis, quoi. Garde-les avalés. Garde-les dans ta gorge, tes amis. Il y en a encore. C'est au-dessus, du coup. Les autres sont pas là, mais ceux au-dessus sont là, quoi. Putain, je prends tellement cher, quoi. Putain, si j'avais gardé enfin, pris des balles du lance-missile, on en serait pas là. Hein.
Allez, allez. Bon, ça va, on est vite revenu à notre zone de départ. Ça va être le même problème là du coup. Mais comment ça vous touchez même pas avec ça? Oh, l'arbre. L'arbre qui fout la merde. Bon, ah ouais, il faut geler. On a tellement plus l'habitude d'utiliser les gadgets. On oublie, hein. On oublie vite. On est quelqu'un avec une petite mémoire en plus. La petite mémoire d'un homme. Bonjour, monsieur. Vos paupières sont lourdes, mon ami. Vous avez énormément sommeil. Ah ouais. Ah, un client. On dirait que vous avez besoin d'un hypnomatique. Ok. Apportez-nous les morceaux et on vous le fera gracieusement. On vous le fera gracieusement payé. Gracieusement payé. Il vous faut encore une pièce. Comme ça. Comme ça. On a manqué une pièce? C'est dommage. Vraiment dommage. J'imagine que c'est sur la planète où il y a Angela qui est en danger. Bon, on va retourner au vaisseau. Petit vaisseau, hein. Bon. Comment s'affiche l'émission? Apporte toutes les pièces, ok. On a sauvé la planète de l'invasion. C'est le principal. Dans la vidéo prochaine, nous allons sauver Angela et lui faire des bébés, des petits bébés Ratchet, hein, bien sûr, des petits bébés Lombax. J'espère qu'elle sera d'accord. On va lui demander son avis quand même, hein. On sait jamais, peut-être qu'elle est pas d'accord. Bref, à très bientôt pour la suite de Ratchet et Clank 2. C'était cool. Sauf le boss à la con là qui nous a fait galérer. À très bientôt. Au revoir.